Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Noirmoutier à la découverte, vous allez le voir, d'un patrimoine préservé, la construction navale artisanale. Bonjour Christian. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes le président de l'association La Chaloupe, une association bien connue hein, des Noirmoutrins, parce qu'elle rassemble les amoureux du patrimoine maritime, mais aussi elle organise les régates du Bois de la Chaise, cette fameuse course qui a lieu l'été. Alors, vous pouvez nous présenter, Christian, cet endroit qui est magnifique. C'est un endroit historique. Hein. D'abord grenier à sel, puis chantier de construction navale, puis musée de la construction navale. Et là, on a un magnifique échantillonnage des différents bateaux présents et construits sur l'île sur ces dernières années. On a toujours construit des bateaux sur l'île de Noirmoutier ? Toujours. Simplement, la destination et l'usage de ces bateaux s'est quelque peu modifié au cours de l'histoire. Ça a commencé par des bateaux pour le travail, donc pour la pêche principalement, et puis le transport également. Et puis, au début des années 50, avec le développement du tourisme sur l'île, ces bateaux ont changé de destination et ont été imaginés pour faire des bateaux de plaisance. Christian, autrefois, on avait plus de chantiers qu'aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui, on a deux chantiers qui font perdurer l'activité de construction navale. Autrefois, on a eu jusqu'à quatre chantiers sur le port de Noirmoutier, justement, pour construire tous ces bateaux. D'abord pour le travail, la petite pêche côtière, puis ensuite certains modèles pour la plaisance. Alors, c'est quoi la marque de fabrique d'un bateau réalisé sur l'île de Noirmoutier ? C'est un bateau qui est imaginé à partir d'un bateau de travail et en reprenant les schémas de construction locales et en apportant des améliorations en fonction des apports extérieurs et puis de l'observation par les charpentiers de marine de ces bateaux en navigation. Et l'un des plus connus, il porte bien son nom, il s'appelle le Noirmoutrin. C'est un exemple de ces bateaux qui ont été construits ici, sur l'île de Noirmoutier. Un bateau construit en série, il est juste derrière nous. Vous allez nous le montrer ? Oui, bien sûr, voilà. Ici, le Noirmoutrin, alors c'est une série d'une trentaine de bateaux. C'est un bateau qui a été construit à partir des années 50, hein, justement, quand la demande du tourisme a été importante. C'est-à-dire qu'on a eu une évolution du bateau de travail vers le bateau de plaisance. Donc là, ça reprend des caractéristiques générales d'un bateau construit pour la petite pêche. Simplement, on a, pour le rendre plus performant, vous voyez que c'est un bateau à voile. Pour le rendre plus performant, justement, à la voile, on a ajouté une dérive, donc pour augmenter ses capacités de remonter au vent, pour le rendre plus manœuvrant. Une petite cabine pour partir à la journée, s'abriter en cas de mauvais temps. Et puis un cockpit qui permettait de partager des moments de convivialité entre les membres de l'équipage. Dans ce lieu sont stockés des bateaux qui ne sont pas construits pour l'exposition, mais la plupart d'entre eux ont été utilisés après avoir été construit ici, comme par exemple là, ce petit canot, on voit dans le bois... – Qui n'est pas tout jeune, hein. Voilà. Ouais, on voit hein, l'usure. – On voit l'usure produite par ici vous aviez deux chevilles avec des avirons, et donc le travail des avirons a usé, poncé le bois au cours de son utilisation. Donc ces bateaux sont vraiment une histoire, on a même des pièces de bois qui racontent soit des naufrages, soit un certain type d'activité. Donc c'est vraiment c'est un lieu, c'est vivant. Alors Christian, ça c'est l'exemple type d'une embarcation qui a été commandée et réalisée ici, finalement à un exemplaire. Voilà, on n'est pas sur de la... À part certains bateaux, comme par exemple le Noirmoutrin ou les crevettes, on est vraiment souvent sur une réalisation d'une pièce unique.
Merci beaucoup, Christian, pour ces présentations. Je vais maintenant aller à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un ancien charpentier de marine qui a longtemps travaillé ici. Henri Gendron, hein, c'est ça ? Henri Gendron, oui, il est membre de notre association, la Chaloupe. C'est lui qui nous sert de... C'est la mémoire et la transmission des savoirs, des savoir-faire, se fait grâce à lui. Alors avec lui, on va parler des essences qu'on utilise pour fabriquer ces bateaux. Et puis on parlera d'un bateau dont il est assez proche, qui est un peu plus loin, qui s'appelle la crevette. Voilà. Merci et j'espère à une prochaine fois. À très bientôt. Bonjour Henri. Bonjour monsieur. Donc on l'a dit, vous êtes un ancien charpentier de marine. Vous avez pris votre retraite dans les années 2000. Votre père était aussi charpentier de bateau. Et avec vous, on va parler un petit peu des essences qu'on utilisait. Alors on sait qu'avec une forêt, on pouvait faire une multitude de bateaux. Avec un arbre, un bateau. Et les bateaux de pêche étaient essentiellement réalisés à partir de cette essence bien connue. Le roi des arbres. Le roi des arbres, le chêne. Le chêne. Voilà. Et avec l'arrivée des vacanciers, on a réalisé ensuite pour les bateaux de plaisance des constructions plus légères. Oui, c'était ça un peu le but. La légèreté, c'est la vitesse, oui. Et la qualité du bois aussi, pour un estivant, c'est d'avoir un bateau étanche tout de suite. Le chêne, lui, est un bois qui est très dur. Il se remplit d'eau beaucoup plus lentement. Et un estivant qui a un bateau de 5 mètres, on va dire, et qui est en sapin, il va être humidifié et le bois va se gonfler très, très vite. Et donc, il va être étanche assez vite. Mais le chêne aura une durée de vie peut-être plus longue. Le chêne durera plus longtemps, mais il n'est pas fait pour ces mêmes usages-là. Il est fait pour un bateau de pêche, parce que les bateaux de pêche, il y a les chocs, des chaluts, des casiers, les chocs quand ils se télescopent l'un l'autre et tout. Qu'un bateau de plaisance, il est fait pour, pour naviguer l'été au mois de juillet, au mois d'août, quand il fait grand beau temps. Et puis, il n'est pas en souffrance comme un bateau de pêcheur. Pour un bateau comme ça, il faut 6 mois. À deux, parce qu'il y a quand même le travail de des bordées qu'il faut débiter. Il faut après mettre les planches qui vont faire la coque. Après, le ponçage, la peinture et tout le fourbi. Parce qu'après, il n'y a pas que le bateau. Il y a le pont, il y a la passerelle. Il y a tout ce qui s'appelle la vie des matelots à bord d'un bateau, c'est-à-dire les couchettes, c'est-à-dire nom de Dieu. Le moteur, bien sûr, et tout. Et puis, ce qui s'appelle... La vie relativement facile pour un matelot qui est là-dessus. Quoi, hein. Quelle essence vous avez préféré travailler ? Ils sont très très bons tous les deux. Le chêne est un bois magnifique quand on le connaît bien, et le sapin du Nord aussi. Je n'ai pas de préférence vraiment. C'est du bonheur de travailler des bois qui sont de bonne qualité. C'est du bonheur. Alors à propos de sapin du Nord, si vous voulez bien, on va aller voir la crevette. Hein. La crevette, c'est ce petit bateau blanc qui est plus loin. Oui. Lui, vous avez beaucoup travaillé sur ce modèle, réalisé donc en sapin du Nord. Et il a une particularité, c'est que c'est votre propre père qui l'a conçu. Alors vous en avez réalisé plusieurs. Oui, parce que bon, c'est des petits bateaux qui sont à l'échelle de l'homme. On peut faire ça en 4 mois, 5 mois pour faire un petit bateau, un petit yacht, parce qu'en fait... Un petit yacht de plaisance n'est pas la même conception qu'un bateau de pêcheur qui est plus rustique, on n'est pas en train de fignoler les bois, on n'est pas en train de les poncer, de les lécher, de les vernir et tout. Un yacht, ça demande ça, ça demande qu'il faut que ce soit joli, pratique. J'en ai fait avec lui, j'en ai fait 6 ou 7 comme ça, qui sont détruits un petit peu dedans, parce qu'il y a eu des tempêtes qui les a mis sur les roches, d'autres qui sont partis au je ne sais trop où, mais à Noirmoutier, il y en a toujours 4 comme ça. 3-4 crevettes qui... Comme ça, donc celui-là, c'est le premier. D'accord. Celui-là, il a été fait sans avoir une cabine, sans avoir un roof. Hein, il a été fait comme ça, parce que c'était à l'époque. Et puis, ma foi, les gens l'ont voulu comme ça, donc on lui a fait comme ça. Ensuite, les indépassants, on en a fait d'autres, qui étaient, eux, avec un roof. Donc les gens pouvaient se mettre à l'abri, mettre leurs habits, leurs guenilles, leurs affaires, et puis les enfants ou les femmes, n'importe quoi. Mais bon, c'était... La même forme, mais avec une superstructure plus sophistiquée. Comme charpentier de marine, Henri, vous avez autant finalement travaillé
à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et quand on se retourne et qu'on voit cette petite embarcation, ça vous rappelle quand même beaucoup de souvenirs, puisque quand vous deviez restaurer, parce que la restauration c'était important aussi, il n'y avait pas que la fabrication, quand vous deviez restaurer les bateaux, il fallait aussi pouvoir le faire quand la marée montait et descendait. Ne pas perdre de temps, attendre que la mer que ce soit basse et tout. Donc ce petit bateau-là, hein, qu'on appelait nous un chaland, servait à calfater les coques des gros bateaux dans le port, naturellement, à marée haute, parce que le bateau, il montait ou il descendait en fonction de la marée. Et dedans, il y avait deux hommes, en principe, et, pour calfater la coque. – Alors, quelles sont les constructions dont vous êtes le plus fier, hein, finalement ?– je veux dire que c'est le petit bateau que j'ai fait pour mon gars. Il y a en 2003 ou 2004, qui s'appelle… – Après la retraite. – Après la retraite. – Pour le plaisir. – Voilà. Mais j'en ai fait d'autres qui étaient très beaux aussi. Vous en avez fait une centaine, hein, dans votre vie. On va dire, mais de toute forme, des plates ostréicoles de 7 mètres, 7 mètres 50 pour aller faire le relais, les huîtres sur les parcs et tout, des bateaux de pêcheurs à Saint-Nazaire, à Pornic et toutes ces choses-là, pour aller faire les civelles ou le chalutage et tout. Et puis, des petits bateaux de 3 mètres 30 aussi pour les pêcheurs, des petits pinassons, qu'on appelait ça. Et puis aussi des bateaux de plaisance. Comme, Votre savoir-faire de charpentier de marine, est-ce qu'il est maintenu aujourd'hui avec ces nouvelles générations qui travaillent le bois? Ici à Noirmoutier, on retrouve des charpentiers de marine? Le travail du bois n'est pas facile, mais il y a beaucoup de gens qui aiment retrouver ces gestes d'antan. Et c'est pour ça qu'à la chaloupe, là, ben, on a plein d'une équipe de copains qui aiment... Qui aiment venir écouter et venir faire. C'est ce qui s'appelle une construction, restauration de bateaux. Et tout. C'est pas faire un meuble, un bateau. Tout est dans les formes arrondies, creusées, il faut les chauffer les planches, il faut les... C'est un métier bien particulier. Ah oui, très très particulier. C'est pas faire une table, c'est pas faire un... Voilà, il faut que ça dure, il faut que ça résiste à l'eau. Il faut pas qu'il prenne l'eau. Surtout. Une coque, il faut que ce soit comme une bouteille. S'il y a un petit trou dedans, et ça va faire de l'eau, quoi. Bon, j'ai l'impression, Henri, qu'on pourrait en parler des heures et des heures de ce métier de charpentier de marine. En tout cas, je voulais vous remercier, hein, pour ce témoignage. Mm-hmm. Et puis, quant à nous, on se dit naturellement à bientôt pour un prochain numéro de Chemin de Traverse.